un chamallow, j'aurais jamais dû. Ça me fait mes renacler du bec, c'est atroce. Salut tout le monde. Aujourd'hui, on est là pour une recette d'Halloween. Donc on va vous faire ces trucs. Des doigts putréfiés. Exactement, des doigts de zombies. Et donc, c'est parti. Donc, alors, qu'est-ce qu'il nous faut, maman? Alors, 110 g de beurre. Exactement. 150 g de sucre. De toute façon, tu vas mettre tous les... la recette dans mon barnacle. Oui, oui, parce que malheureusement, pour les autres recettes, je ne l'ai pas fait et vous m'avez reproché dans les commentaires. Désolée. Donc là, je vous mets tous les grammages en barre d'infos, pas de problème. 320 g de farine. Exactement. Un petit peu de vanille, une cuillère à café. Un œuf. Et du colorant noir pour teinter la pâte qui est blanche pour la faire un peu justement... Un peu grisâtre, voilà. En mode zombie, peau de zombie. Voilà, voilà ce que ça donne la pâte une fois faite. Donc déjà tu mélanges le beurre et le sucre. Alors je mélange le beurre mou hein. Oui, le beurre mou. Toujours, dans les nos recettes c'est toujours le beurre mou. Et le sucre. Et le sucre. Fouette maintenant. Fouette. Après que vous ayez mélangé le beurre et le sucre, on va mettre un œuf. Vas-y, je te laisse le mettre, mère. Oui. Oh, oui. Oh my god. Tu as mis une coquille, bah dis donc, bravo. Quel professionnalisme. Oh my god. Oh my god, j'ai une crampe. Donc maintenant, on va ajouter quelques gouttes de vanille. Maintenant, petit à petit, on ajoute la farine. Il va falloir pétrir à la main. La pâte va devenir très épaisse, comme une pâte à tarte un peu. Ok, donc on pétrit. Voilà, quand tu pourras plus pétrir à la marise, tu pourras pétrir à la main, comme pour une pâte à tarte. Je rajoute un peu de farine. Vas-y. Oh my god, c'est dur. Ouais. Ouais, là ça commence à être trop dur, faut pétrir à la main. On pétrit. Pendant ce temps-là, je vais faire des petites animations pour passer le temps. Je suis absolument pas drôle, c'est atroce. Voilà. Quand elle est presque faite, elle est encore un peu sableuse, on va ajouter un peu de colorant noir. Ok. Pour faire, les doigts de zombie, la couleur la dégueulasse. Couleur zombie. La couleur que nous pouvons admirer. La couleur juste ici. On en prend un tout petit peu. Oui. Vraiment un tout petit peu. Il vaut mieux en remettre du colorant ouais, que mettre trop. Ouais. Voilà, voilà. Alors, hop. Donc, une fois que la pâte est bien pétrie, bien dégueulasse, bien putréfiée, exactement. Il faut la mettre 30 minutes au frigo. Et voilà. La pâte. Passer 30 minutes au frigo. On va faire des doigts. On va faire des doigts. On va faire des doigts. Damn, it feels good to be a gangster. On prend une petite boule de pâte et puis on fait un petit boudin. On presse un petit peu pour faire un peu une phalange. Ouais. Le bout du doigt, pas où il y a l'ongle, hein, le bout, on le pince un peu. Le pince un pour peu. Pour faire un peu le doigt arraché qui est un tendon. L'ongle, on presse tout doucement le bout pour faire une forme d'ongle. Et on mettra une amande tout à l'heure, je vous montrerai, là j'en ai une. Petite amande effilée, c'est le mieux, ou des amandes que l'on coupe. Des amandes que l'on coupe. Alors ça, c'est avant la cuisson, hein, on va faire ça. Ouais. Et vous savez, sur les doigts, au niveau des articulations, on a des petites stries. Donc avec un couteau ou n'importe, une petite spatule, vous faites des petites stries pour vraiment... C'est vachement réaliste. Donc ça, ça va être les doigts, on va dire, normaux. Mais on va faire aussi des doigts arrachés, avec des cicatrices, des ouvertures que l'on voit les tendons à l'intérieur. Tiens, vas-y. Et là, je vais commencer à enlever un peu de pâte pour faire... Alors, on enlève un bout de pâte, hein, tout simplement. Alors ça, ça se fait avant la cuisson. Hein. Vous ne vous embêtez pas, vous dites si c'est raté, c'est encore mieux. Mais... Alors maintenant, on va les mettre au four pendant 10 minutes à 180 degrés. Voilà, et si je peux me permettre, oui. Bien ne pas les faire trop cuire. Sinon, la couleur, ça va être trop marron. Oui, ça va être marron. Ça va perdre le verdâtre qui est intéressant. Exactement. Donc, faites très attention à la cuisson. 10 minutes, ça suffit. Oh là, attention. C'est un peu chaud. Alors là, il faut bien attendre. Oh, c'est chaud. Bien attendre que ça refroidisse. Oui, oui, oui. Pour pouvoir les... Et là, écoute. Oui. Les doigts vont être ratés. Pour pouvoir après finaliser le maquillage. Donc, ça y est, maintenant nos doigts, c'est pas bizarre à dire, sont refroidis. Je sais pas si vous vous souvenez, mais on avait fait des petits trous. Voilà, pour mettre
Donc du icing, ce qu'on appelle du icing. Vous pouvez aussi mettre de la pâte à sucre si vous n'en avez pas. Oui. Alors ça, le icing, ça s'achète dans les grandes surfaces au rayon pâtisserie. Donc là, il faut prendre blanc parce qu'on va simuler les os, les tendons. Si vous n'en avez pas, prenez un petit peu de pâte à sucre. Et vous modelez. Vous modelez. Je fais le icing. Je fais là aussi. Ouais, exactement. Je fais de l'autre côté. Il faut faire les petits tendons arrachés parce que c'est des doigts arrachés. C'est vrai, j'avais oublié, je le fais sur les autres. Et voilà, nous allons parsemer tout ça de cacao. Exactement. Donc tu veux que je te montre? Vas-y, montre-moi. On va saupoudrer de cacao, pas de Nesquik, hein, du cacao 100% pur. Voilà. Pur avec un pinceau. Donc on tapote. Alors là, vous faites pas n'importe quoi, mais presque. Un petit peu de miel et du colorant rouge. D'accord, ok. Pour simuler le sang. Donc, alors, près des tendons. Voilà, des tendons, des ongles. Pareil, il faut que ce soit pas précis du tout. Hein. C'est du sang qui dégouline. Il faut que ce soit assez pas beau. Assez pas horrible. Nos doigts de zombies sont terminés. Ça fait quand même vachement C'est dégueulasse en fait. Ce qui est très sympa, c'est qu'il faut en faire plusieurs, une vingtaine. Vous les mettez dans un saladier un peu droit comme ça. On a vraiment l'impression que c'est des doigts que vous avez posés. Ça ne donne pas envie, mais bon, écoute. Si, si, c'est bon avec l'amande. C'est croquant. L'ongle de zombie pourri là. Non, mais ça, c'est vachement bon en vrai. Et voilà, cette vidéo est terminée. Trop mignonne, elle est trop chou. On espère vraiment que ça vous a plu. On vous fait plein d'énormes bisous. Et on vous dit à bientôt dans une prochaine vidéo. À bientôt. Bye.